Bonjour à tous, installez-vous, c'est l'heure du défi. Je suis déterminée à gagner ce défi pour partir en rancard avec mon petit Edward. Ce défi a une importance capitale dans votre quête de l'âme sœur. Nous allons évaluer votre degré d'honnêteté, l'élément principal d'une relation amoureuse. Nous allons vous tester et voir jusqu'où va votre franchise. C'est parti pour le défi que j'ai intitulé « On attrape plus vite un menteur qu'un boiteux ». Voici les règles du jeu. Je vais vous appeler un par un et je vous poserai des questions auxquelles vous devrez répondre en étant relié à un détecteur de mensonges. C'était sûr. Si jamais vous n'êtes pas sincère, je le saurai et votre réponse sera comptée comme fausse. La vache. Pour ce défi, ce sera les garçons contre les filles. L'équipe qui aura cumulé le plus de bonnes réponses l'emportera et deux de ses membres partiront en rendez-vous avec la personne de leur choix. On doit gagner parce qu'on choisira des garçons en fonction de ce qu'on ressent. Jusqu'ici, les mecs ont fait des mauvais choix parce qu'ils pensent qu'avec ça... Le premier à passer, c'est Joey. J'en étais sûr. Ça me surprend pas. Chaud. Je suis super stressé, c'est abusé. Je sais pas du tout ce qui m'attend. Maman, je te demande pardon pour ça. Joey, as-tu déjà pris des stimulants sexuels? Ouais. Et au passage, c'était une expérience de ouf. Il a dit la vérité. Un point pour les garçons. Je suis pas étonnée que Joey ait déjà pris ce genre de médicaments. Je le juge pas, je trouve que c'est drôle. La première fille à passer est Gianna. J'ai hâte de connaître tes petits secrets. Considères-tu Aiden comme ton meilleur coup? Aïe, aïe, aïe. Non. Le pauvre. Elle dit vrai. Un point pour les filles. Bonne question. En tout cas, elle n'a pas goûté à Michael. Pas trop dur, Aiden? On a dû faire ça en cachette. C'était pas l'idéal pour faire les choses avec l'art et la manière. Bonne réponse, mec. Vous êtes à égalité. As-tu déjà mangé tes crottes de nez? Ouais.